Bien, nous sommes aujourd'hui partis, je mouline, mais nous allons y arriver pour la suite de notre aventure. Donc nous sommes à l'épisode 27. Oh, je l'ai pas sauvegardé, quel bêta! Oh non. C'est une blague, bien sûr. Hein. On est où là? On venait de tuer les deux gars, c'est ça? On est où? Donc je rappelle, si on est là où je pense que l'on est. Oui, bon, c'est pas grave, on n'est pas bien loin, cela dit. Alors, je sais plus où j'en étais, du coup. Mince, c'est un peu ballot. Alors, je vais faire un tout petit truc. Je vais sauvegarder et je vais vous dire pourquoi. En fait, le problème, c'est que quand on sauvegarde, il faut bien entendu à chaque fois valider la sauvegarde. Alors, je vais vous dire pourquoi je sauvegarde, parce que ça me permet, quand je fais les épisodes pour YouTube... ceux qui sont sur YouTube le comprennent, de savoir à quel épisode j'en étais au niveau du jeu. Et donc de mettre le titre, c'est utile pour les gens ensuite qui recherchent un niveau particulier, par exemple qui sont bloqués quelque part. C'est utile pour eux. Alors attendez, parce que je suis un peu paumé là. On est bien dans le bateau. On n'a rien fait péter. Attendez, je suis perdu. Je suis perdu, je ne me souviens plus où on est. Donc on devait faire péter ça, on est d'accord, on va le faire. Mais là où je me souviens... Bon, on va le faire péter. C'est curieux, très curieux. Très curieux. Voilà les pompes du bouchin. Il vous faut les activer avant de pouvoir verser l'écoulement. Il doit y avoir un traverseur général dans les pompes. Les pompes du bouchin. Ah, c'est ça les pompes, d'accord. Bon, attendez. Avant d'inverser l'écoulement de quoi que ce soit, n'oubliez pas à propos d'Everett. J'ai localisé sa maîtresse, Beth Duclair, mais elle est morte. Le dernier associé vivant est Illuminati et la fille de Nicole Duclair. Renseignez-vous auprès de Don à propos de cette Nicolette. Il vous faut quelqu'un qui vous emmène à Everett. Ouais. Après, je ne pense pas que ce soit un suspense. Nous allons aller à Paris. Bienvenue à Paris. Les filles sont gilets jaunes. Bon, il y a un truc que je ne comprends pas, les amis. Je vous le dis tout de suite, c'est que je ne me souviens pas du tout. Pourtant, c'était hier, être allé ici. Donc là, je vais repartir un peu par là, essayer de me repérer un peu mieux. Parce que là, je vous avouerai que je suis paumé. D'accord, on venait de là. Là, je m'en souviens. Ok, ça, je préfère. Je préfère. Ok, donc moi, ce que je vais faire, Vous pourriez encore un garde. Il avait dans la main là qu'il essayait de me... une clou. Mais tu es fou. Ça me casse la tête ça. Alors, à mon avis, des petits lutins sont venus jouer en mon absence. Donc ici, on avait déposé, fait péter un truc là-bas. Hein, on va aller vérifier. Désolé. C'est ce qui arrive quand on est au printemps. Donc c'était là-bas. Normalement, on l'avait fait péter, d'accord. Et notre intuition nous disait, mais il doit y en avoir un de l'autre côté, c'est évident. Et on ne l'avait pas trouvé, c'est ça? C'est ça. Il y en avait... Donc, on venait de par ici. C'est curieux qu'on n'ait pas par là. Bon, bref. Donc on peut repartir, ça y est. Alors, truc étrange, c'est que ce gars-là, on se demande ce qu'il fait là un petit peu, mais bon, tant pis pour lui. Alors attendez. Il y a des chances pour qu'il y ait des trucs cachés par là. Voilà. Pas forcément des trucs très utiles, mais on va les prendre. Un robot qui va nous sauver la vie, qui va nous recharger nos forces en tout cas. Donc il y a un autre truc par là.
Allez mec, vous allez devoir faire le tour, nous sommes en train de poser de nouveaux câbles électriques, c'est parti. Je ne vais pas me gêner, les transformateurs se mettent en court-circuit, je ne parviens pas à les éteindre. C'est chargé à bloc là-dedans, le pont supérieur ressemble à une plaque, c'est un condensateur. Ça m'a tout l'air d'être travail pour les robots. Vous l'avez dit, vos filles. Ils me payent pas assez pour que j'y mette les pieds. J'attends d'autres arachno-robots, les deux premiers de répondre. Je pourrais jeter un coup d'œil. Je vous déconseille. Il faudrait désactiver deux panneaux de contrôle d'alimentation dont l'un se trouve sous le plancher. Le gars de la salle de contrôle de l'hélicoptère m'envole leur ordinateur en grille. Mais cela ne vaut pas la peine de prendre des risques. Ah, ça non. Bon, en gros, on va lui rendre un service, Ok. Donc, on a un inventeur. Donc, couper le courant alimentant les transformateurs qui se mettent en court-circuit et électrifient le pont supérieur. Deux panneaux de contrôle doivent être activés, l'un d'entre eux se trouvant sous le plancher. D'accord. Pousse-toi ! D'accord, t'inquiète, j'ai pas peur. On va rentrer dans la pièce, bien entendu. Bien entendu. Donc il y en a un sous le plancher. L'autre, il est on ne sait pas où. Enfin, celui qui est sous le plancher, on ne sait pas vraiment non plus où il est. Hein. On va essayer de pas se prendre un coup de jus. Eh bien, d'accord. On n'a pas un truc anti... passe pas là. Morte coup. Et là, est-ce qu'on passe mieux? Mais non. Ouais, je vais me reprendre un coup là. Comment on peut faire pour passer là? Pourtant, ça saute. Tiens, il y a un truc là où on le pète. Mais il faut qu'on arrive à couper le jus avant. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à soulever ça là? Je pense qu'on devrait pouvoir pourtant. Je vais me reprendre un coup de jus, mais ça ne me fait pas peur. Allez, on y va. Non, on ne peut pas. Donc, là-bas, j'ai un... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Ah! D'accord, tu la joues comme ça. Je sais pas comment les buts, ces saletés, là. Comment on pourrait les buter, ces machins? On se la refait en couleur. Hein. Moi, je suis comme ça. Elle était où la fucking machin d'araignée? Avec... Eh, vous croyez qu'on peut l'avoir avec ça? Où elle est? Eh bien, tu vas y arriver, oui? Là, il y a un panneau de contrôle. Je vois pas où elle est, l'espèce d'araignée, là. Où es-tu, araignée? République populaire de Chine. La caméra, on la désactive. Très bien, ça bloque l'araignée. On la désactive. Moi, j'ouvre tout. D'accord, et ça aussi, on la désactive. C'est tout ce qu'on a. Je la vois, l'araignée, là. Hein, l'arachnide. Alors, tant que je ne suis pas pris un coup de jus, je vais faire une sauvegarde. Ça doit jouer le rôle de cage de Faraday, ça. Eh, viens copain, je suis là, regarde. D'accord, ça ne commence pas des masses tout ça. C'est un piège ça, hein, c'est pour nous faire croire qu'on peut faire quelque chose. Allez là, la saleté. Comment on... Alors je vais tenter un truc. Ah d'accord, carrément. On va tenter un truc, disais-je. Non, c'était pas le bon truc. Par contre, faut que j'arrive à descendre. Non, on va descendre par là. C'est bizarre, il a bien dit. On va redescendre, on va lire ce qu'il nous dit. Il nous avait bien dit, c'est sous le plancher. C'était peut-être pas dans la pièce en même temps. Hein. Ça, si on le fait péter, ça pète. Faire malin, toi, dis donc.
Donc là, c'est là où on était tout à l'heure, en fait, qu'on a repris. Et on a vu qu'il y avait un truc qu'on pouvait faire péter. Où? Là. Donc, moi qui suis le roi des explosifs, je vais me planquer. Oui, je vais me planquer. Oh non, Forest! Je me suis fait mal ou? Oui, carrément. Ah bah je suis déjà mal en fait. J'aime pas être mal comme ça. Parce que j'ai de la vie, pas beaucoup. On va se soigner ici. Et on espère trouver un robot pour le reste. On va essayer de la sauter, n'importe quoi. De la lancer d'un peu plus loin. Pousse-toi toi, comme ça je peux me cacher là. Ok, nickel. Il y en avait combien à faire péter en tout? C'était pas 6. Comment on fait pour aller là? Donc là, il y a un truc pour inverser les pompes, mais je ne pense pas qu'il faille le faire maintenant. Je vais regarder les statuts. Donc, couler, d'accord. Couper le courant alimentant les transformateurs qui mettent en court-circuit électrifie le pont supérieur. Deux panneaux de contrôle doivent être désactivés, l'un d'entre eux se trouvant sous le plancher. Trouver le dépôt de munitions, inspecter... Ouais, bon, ça, c'est depuis tout à l'heure. Par contre, là, il nous avait dit... Alors, on va pirater ça, vite fait, voir si on a quelque chose d'intéressant. Ce qui n'est pas sûr du tout, je dirais. Inverser les pompes, bah voilà. Je sais pas si ça va servir à quelque chose. Les soupapes du bouchon sont ouvertes. Briser les derniers des points de soudure. Je vais essayer, mec. C'est censé faire quoi, ça? Ça a rien fait. Bilge, c'est quoi bilge? Bilge, bilge. Bon, on va retourner par là. Faut qu'on... Il nous en manque un. On l'avait craqué celui-là. Vieux mauvais. Il nous en manque un, il nous en manque un. Où est-ce qu'il en manque un? Il n'y en avait pas un dans la salle où il y avait l'araignée justement pour nous obliger à... Bon, on retourne à notre mission qui était quelque part à l'autre bout. Que je crains, mais d'ailleurs ce que je disais, je radote, hein, il me semble que je le disais dans l'épisode d'hier, enfin le dernier, celui d'avant, c'est qu'on nous demande de quitter les lieux assez rapidement et là je ne sais pas comment on va faire. Bon. On ne peut strictement rien faire ici quoi, c'est space. L'un se trouve. Est-ce que j'ai envie de tester? Oui, vous savez. T'inquiète, mec. Ça, c'est fait. Mais pourquoi tu fermes la porte, toi? Ça, c'était pas complètement débile. Par contre, j'ai regardé les conversations, là. Qu'est-ce qu'il me raconte? Les soupapes... non, mais il me dit rien, lui. Cet appareil produit des arcs électriques. Vous allez devoir faire le tour. D'accord. Les transformateurs se mettent en construction. Je ne peux pas les éteindre. C'est chargé à bloc. Le pont supérieur, d'accord. Cela m'a toléré d'un travail pour les robots. Vous l'avez dit, Bouffy. Il ne me paye pas assez pour que j'y mette les pieds. J'attends d'autres. Je vous le déconseille. Il faudra désactiver deux panneaux de contrôle d'alimentation dont l'un se trouve sous le plancher. Les gars de la salle de contrôle de l'Hyper. Ben oui, l'un se trouve. Mais déjà, on n'a même pas trouvé l'autre. Oui, très bien. Bon. On va aller... Bon, par là, on risque rien. A priori. Est-ce que quelqu'un voit quelque chose? Et si on traversait? Peut-être qu'en en désactivant... Faut aller en dessous, là. Ah non, je sais pas comment on fait pour y aller. Ah ah! Panneau de contrôle. Nous allons le décrypter tout de suite. Oh, faut que je regarde mes points de compétence, je dois pouvoir augmenter ma compétence. Donc, vous n'avez pas piraté, vous avez piraté. Donc il est piraté, hein, on est bien d'accord. Ça c'est un peu space parce que du coup, ça n'en a pas du tout supprimé. Ah, voilà.
Écoutez, déclencher les alarmes ne me dérange pas. C'est crypté, mais c'est pas grave, on a un décryptosaure qui nous permet de... le panneau de contrôle est piraté. Bon bah on a... d'accord, on a tout fait là. Hein. On a tout fait, donc si je fais ça et que je fais ça, il est piraté, donc pourquoi on entend toujours les crrrr crrrr. Il y en a un autre là, on va tout pirater. Ah il en faut deux, c'est pas grave, on en a beaucoup, soyons fous. Celui-là en fait il désactivait le radar. Dommage, j'aurais pu en économiser un. Donc a priori je pense que là on est bon. Allons voir, pourtant on entend toujours du... Bon j'avoue j'ai pas été fin fino. Sur ce coup c'est pas grave. C'est pas grave, on a un petit peu gâché des décodeurs. Bon bah c'est bon, notre mission est réussie. On va traverser, je pense. Ah, ça tombe bien. Je vais aller revoir le mec là. Pourquoi il nous a pas dit que notre mission est couper le courant, les mettre en court-circuit. Pourquoi? Don't worry, I'll have it fixed by morning. Ah mais ça y est, j'ai fait ma mission que tu m'as demandé, gars. Pourquoi est-ce que tu me dis pas ce qu'il y a? Bon, on va aller avant de faire péter. On va traverser là pour aller voir où ça mène. Ça, on l'a piraté. Hein. Oh oh, je crois que nous allons avoir un petit problème. Ça me plaît bien. Il va mourir. Adieu Bert. Est-ce qu'ils viennent ces andouillos? Une glow. Combien j'en ai? 7. Faut que j'aille faire le ménage là-bas avant de tout faire péter. Oh, tu chipotes là, t'aurais pas dû m'avoir, mec. Ils suivent pas beaucoup quand même, hein. Enfin, je dis ça, je vais me planter là, il va être au coin, mais... Ok, on a nos deux cadavres, tout va bien. J'ai eu un bonus, mais j'ai pas eu le temps de lire ce que c'était comme bonus. Caméra désactivée, mitrailleuse auto alliée. Alors ça, j'ai pas compris pourquoi aller en piraté, allié, ennemi. Je ne comprends pas ce que c'est. Serrure de la porte ouverte. Parce que en tout état de cause, en allié, elle est copine avec moi. On est d'accord. Non, mais pourquoi allié par défaut? C'est ça que je piche pas en fait. C'est l'hélicoptère qui m'attend. Ok, est-ce que j'ai quelque chose à prendre? D'accord. A priori, on va pouvoir partir par là et certainement aller là. Donc on va faire péter le dernier truc. J'ai failli... Hein. On n'oublie pas que je suis une... J'allais dire une burne. Mais si, disons... N'ayons pas peur des mots. Une burne. Et je savais que à chaque fois, les échelles, je me fais violence. Donc on va la lancer d'ici, notre petite grenade, et puis on va vite se cacher.
super cool. Donc c'est bon, je les ai tous eus là. Pourquoi il me dit rien, copain? En détruisant les 5 pour... Il m'avait dit qu'il n'y en avait plus qu'une tout à l'heure. Briser le dernier point de soudure. C'est bizarre parce qu'il aurait dû se passer quelque chose quand même. Hein. C'est bizarre. Où êtes-vous? Je ne suis pas loin, je suis là. Faut pas que l'autre soit là, quoi. C'est bon. Moi, je suis courageux, moi. Il y en avait un deuxième, j'en suis sûr. Je n'ai pas Raby. Alors, c'est ces mitrailleuses-là qu'on a mis en... en ami, en allié. Et visiblement, là-bas, il y a un robot, d'accord. Il est là-bas, l'autre. Alors, j'aimerais bien voir ce qu'il y a là aussi. Il m'a vu? Non, qu'est-ce qu'il vient de faire là? Il balzaille! Oui, ça pique. Viens là. Je suis là. Bah rentre. Tu parles tout seul, vieux. Tu n'as plus d'amis ici. J'ai plus de jambes, moi. N'importe quoi, mais n'importe quoi, je crois qu'il était tout seul en fait. Oui, au calmos. Bon, alors là, évidemment, la solution propre, hein, ce serait de prendre le fusil à pompe. À pompe, fusil à lunettes. Là-bas. Bouge pas! Un peu de rouge sur le pavé. Je sais, je dis tout le temps ça, mais c'est une expression que j'aime assez. Il y en a un troisième. Je ne sais pas exactement où il est. On l'a pas vu là-bas. Alors désolé pour le bruit d'hélico, ça doit être un peu désagréable. Mais en même temps, je vais plutôt prendre le pistolet. Allez, il nous reste... Eh ben, descend. Descends, descends. Est-ce que je peux me faire comment je suis là? J'ai ma tête. Là, on est correct. Donc, il y en a un autre qui est quelque part par là. Donc, il a plus ses copains déjà. Oui, il y en avait au moins 3 tout à l'heure. Et c'est un des types qui a déclenché l'arme. Attention de ne pas taper les barils.
Je t'ai vu. On le fait tout péter tout de suite ou pas? Non, il y en a un autre là-bas. 5, non, exact. J'ai mal là. Hein. Très bien. Pousse-toi. Oh, ils sont nombreux les imbéciles. Nous allons faire d'une pierre deux coups. Marche, j'ai perdu ma souris. Eh oui, c'est moi. Alors, que dites-vous de ça, les copains? Oh, il reste plus que des steaks de copains. On ira voir tout à l'heure. Bon, j'ai tout fait péter ou quoi? Pas encore? Ton. Là, je crois que je passais à côté de pas mal de choses. Un livre. On approchait de la fin. Jacob le savait. La plupart des pions n'étaient plus sur l'échiquier et il avait même perdu sa reine. La partie était maintenant entrée dans sa phase finale. Et la question n'était plus de savoir quel pion sacrifier encore. Sacrifiables, ils l'étaient tous. Mais à quel moment? Il promena le faisceau de sa lampe sur les murs décrépits de la maison vide. Une maison finalement très pratique. Très pratique. Située dans une banlieue où le soleil ne brillait guère. Bla 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 bla. Ok. Ok. Je ne peux pas, je m'en sers jamais. De toute façon, toi, je vais pas t'ouvrir. Bon, visiblement, j'ai pas tout trouvé. Voilà. J'en ai fait. Pour moi, j'en ai fait 4. Donc, s'il y en avait 5, c'est normal. Mais pourquoi il nous a dit le dernier tout à l'heure alors? On n'a pas dû les faire dans l'ordre encore. Où est le dernier truc? Ce serait bien par là, puisque là, on n'y est pas passé. Attention, piège potentiel. Est-ce qu'on y est allé? Oui, par là, on y est allé. Par là, on n'y est pas allé. Ou alors, on n'a pas fait gaffe, possible. Pourquoi on nous demande de demander? Attendez, mais qu'est-ce qui se passe? Oh mon dieu, je suis pris dans la soufflerie. What the fuck? Aïe. Oh, c'est rigolo ça, non? C'est rigolo si on veut. Et oh, si on veut. Et comment je fais pour redescendre? Je peux ou pas redescendre? Non, je peux pas. Si, je peux faire comme ça. Waouh. Donc à quoi ça nous sert ça? C'est amusant. Et est-ce que si je saute? D'accord. Comment j'ai fait pour descendre? Je ne sais plus. Comme ça? Non. Ah oui, c'est-à-dire que si on n'est plus au centre... compliqué l'affaire. Si je ne suis plus au centre du machin, je tombe. Je suis coincé là. Bon, comment je fais? Claquer. Donc de toute façon, je peux, a priori, je peux pas descendre. Ok, super. Et c'est surtout que je peux me mettre accroupi qui m'embête. Non, ne retombe pas. Pourquoi est-ce qu'il se met plus accroupi? Bon bah, j'ai pas d'autre choix que de tomber là-dedans, quoi. Bah oui, puis là. Et là, je vais être tout mort. Bah ouais, j'ai plus de jambes.
On est déjà passé par là. Est-ce qu'on aura oublié un truc? Peut-être, hein. C'est... Non, là, on n'a rien oublié du tout, là. On va retourner faire un tour. Eh, mais attendez, je pense à un truc. Le pont supérieur. Le pont inférieur. Alors. C'est vachement bien. Donc là, c'était là où était l'hélicoptère. On voit rien, quoi. Use explosive here. Ici, ça, c'est le truc où on était arrivé au départ, vous vous souvenez? On a placé que celui-là. On est arrivé là, on s'est coincé là. On n'arrivait pas comment passer là. Apparemment, il y en a un autre là. Allez, faut qu'on retourne là. Faut qu'on retourne là. Reste à savoir comment. Par la porte, là-bas, il y a une porte, c'est ça. Je vais me remettre des jambes, peut-être. Donc, l'autre, c'était par là. Mais par là, on ne sait pas comment passer par là. Hein ? C'est ça le problème. On n'a aucune idée de comment passer par là. Il n'y a rien qui pourrait nous aider. Là, il y a cette passerelle là, doit bien servir à quelque chose là. D'accord. Si tu veux. Ça là. Il y a un truc. Ça pourrait nous faire monter là-haut. J'y crois pas vraiment, mais bon. Quel pourrait être le code de ça? Est-ce qu'on a un code quelconque? C'est un code à 4, hein. 9753. Bah oui, mais si je monte pas dessus, je suis mort. Bien sûr. Ah bah si, parce qu'on va pouvoir faire ça. Comment on monte là? On va pouvoir faire ça. Donc a priori, ce serait par là. Ou pas. Je le sens bien pourtant ce machin là. Ça nous permettrait d'aller par là. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre par là? Là on remonte. Ok, la blague. La mauvaise blague. Oh, bon, d'accord. J'allais dire, je ressors, je... Oh punaise, faut tout que je traverse. Il faut que je le traverse tout... crotte. Alors, on va en faire, de toute façon, on n'a pas le choix. Pour tout vous dire, je me souviens plus du tout de la route, mais c'est pas grave. Okay. Par où on était passé? Ah, moi je veux pas remonter par là. Hein. Hors de question. Hors de question que je me reprenne la soufflerie dans les dents. On va passer par là. Hein. Ça doit bien servir à quelque chose cette soufflerie. Elle est là. Hein. Ouais, mais je veux pas y aller. Hein. Je ne veux pas y aller pour l'instant. Elle sert peut-être, peut-être qu'on arrive à ouvrir au-dessus là. Pour sortir. Je ne sais pas.
c'était quoi le code? 50... je sais plus combien, c'est ça. Non, c'est pas passé par là, c'est vrai. Non. Ah, ça va être bien quand ça s'arrête, ce truc là. 97-53. Donc on va insister un tout petit peu pour essayer de passer là, sur la gauche. Comment je pourrais les avoir ces barbares là? Bon, on va essayer par là. C'était peut-être mon sabre qui empêchait, qui m'en dépasse. Ouais. Il est où? Yes, I am the captain. Bon, on y va, allez, tant pis. C'est là. Par contre, si je descends, comment je remonte? Hein? Et comment descendre? Descendre. Peut-être par là, mais je vais me brûler les pieds. Bon, j'ai pas trop le choix. Hein. Je vais pas sauter là-dedans, je vais me brûler. Ça aurait dû m'amortir un peu plus, ça. Bah, ça tombe bien, de la glo. Donc, faut que je fasse péter ça. Sauf que... D'accord, je vois le truc. Je vois presque le truc. Je peux pas t'attraper, toi et toi. Bon, vous êtes prêts? Attention. Ce qui veut dire que tout à l'heure, j'aurais pu balancer peut-être la grenade, mais en même temps, j'en étais pas sûr. Donc, on va jeter notre petite grenade. Hop. Au revoir. Ça coule! Tous les points de soudure sont brisés, les ciseaux sont ouverts. Sortez d'ici, le bateau va se disloquer. Mais comment je fais pour sortir l'hélico? Comment on se sauve, Doc? Trouver le dépôt de munitions. Couper le courant alimentant dans le gros circuit, les ponts supérieurs. Mais on l'a fait, ça. Je piche pas, on l'a fait, ça. Bon, on s'en fiche. Faut qu'on trouve comment partir. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas comment partir. Enfin, je veux dire, on doit prendre l'hélicoptère, peut-être. On va tenter l'hélicoptère. On va tenter l'hélicoptère. On va tenter. On va tenter. Attendez-moi. J'ai peur. C'est pas mal fait quand même, hein. Pour un jeu. Est-ce que tu sais où on va? Mais non. Mais de toute façon, on va tous mourir un jour. Bien sûr qu'on va tous mourir. Tu savais pas ça? Mon pauvre ami, comment on fait par là, je crois, hein. Ah, faut qu'on retrouve la route. En espérant que ce soit l'hélicoptère. Allez, saute. Est-ce qu'on peut piquer un hélicoptère? Telle est la question. Doucement, doucement. Calme, calme, calme. C'est rien. Salut, salut, ça va? Bonjour. Reposez en paix, les amis. Est-ce que ça? Ça commence à sentir le roussi un peu, hein. On va pas faire de vieux os quand même. Donc là, on va se retrouver là. Et, ah, c'est fermé. Mais je vais aller dans l'hélicoptère, moi. Je peux pas. Je vais aller dans l'hélicoptère. Pourquoi tu veux pas me laisser rentrer? Bon, ah, visiblement, c'est pas par là qu'on s'en va. Hein.
Hé, copain. Il aurait peut-être fallu que j'ouvre la porte, c'est pas ça? Je lui crois pas que ce soit ça. Il y a pas un terminal quelconque là-dedans? Je vais pas refaire de sauvegarde, non, c'est pas ça. Ah, info cube. Qu'est-ce qu'il disait? C'est pratique, je l'ai dans mon terminal. Tiens, le capitaine a encore changé que sacré code, il dit qu'ils ont changé de d'accord. Le code pour l'hangar 4453, d'accord, mais quel hangar? Est-ce qu'il y a une porte là-dedans, quelque chose? On veut s'en aller. Sinon, on retourne essayer la soufflerie. J'y crois pas vraiment, mais... Il n'y a pas un truc à ouvrir là-dedans. C'est curieux qu'on puisse pas... qu'il y ait un machin là, mais qu'on puisse pas ouvrir le truc au-dessus. Là. Ça me paraît curieux. Je retourne voir une dernière fois. Et puis même si à mon avis on a le temps, c'est stressant ce bruit. Y'a rien. Faudrait ouvrir la porte là. Je ne sais pas comment. Y'a rien sur les hauteurs là. Là on a l'hélico, on a l'hélico, on a l'hélico, on a l'hélico. On peut plus rien faire avec l'hélico. J'aurais pensé qu'on puisse le prendre. Non, je ne sais pas. C'était peut-être dans la salle de commande là-haut. On va essayer de partir autrement, mais je ne vois pas trop comment. Dans la soufflerie. La soufflerie, elle va nous amener en haut et puis après. Ou alors, fallait partir. Allez, on va essayer la soufflerie, ça doit bien servir à quelque chose quand même, ça. Ça va nous monter là-haut, mais tant que c'est fermé, ça va rien nous donner, on est d'accord? Comment on pourrait faire pour l'ouvrir? On n'avait rien vu. Je baisse un peu le son, hein, parce que ça va nous péter les oreilles. Bon, allez, on essaye, on verra bien. Yaha! Non, ça s'ouvre pas, y'a rien qui s'ouvre par là. Donc on est cuit, sauf si on fait ça. Ça doit bien servir à quelque chose. Crognugneux. Je sens que ça va être simple. C'est rien, ça va être simple. On y croit. Bam! Bam! Sinon, on va finir par devenir tout mort. Allez, c'est bon. C'est bon. C'est pas bon. Et là, on tombe. On tombe, sauf si on tombe peut-être juste sur le bord comme ça. Ouais. Bah oh oh oh. Par là on n'était pas allé tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on va où par là? Ben, ça m'arrange pas parce qu'on a l'air de descendre. Où sommes-nous? On ne sait pas. On ne sait pas. Bon, on va pas s'éterniser là, mec. Toi, t'es fermé, c'est super. Il y a encore un hélico, mais on est au même endroit. Porte de pompe à... Oh, pff, il manquait plus que ça. Oh, il m'a fait peur. Je t'attendais pas là pour tout te dire, copain. Je vais voir ma vie, je dois être un peu raide. Allez, ça va, on continue. Faut qu'on trouve une fucking sortie là. Voilà, on revient aux hélicos. Merde. Aux hélicos. Ce qui nous donne. Ah, mais là, on est à l'hélico là. Je peux pas descendre par contre.
Qui peut me dire comment je suis arrivé là? On est arrivé, je m'en souviens, de par ici. De par là. Je détecte un peu partout des alarmes activées, t'as remarqué? Sortez d'ici! Oui, je le veux! Où est-ce qu'il nous attend? Retrouvez Jack sur le toit. Retrouver Jack sur le toit de quoi? Non, c'est du doc. Les amis, comment je fais pour sortir de là? Je saute dans l'eau? Bon, je vais faire une sauvegarde là, en tout cas, sauvegarde rapide. Comment je fais pour sortir de là? Je peux tenter de sauter dans l'eau. Ben voilà, tiens. Alors faut pas sauter parce qu'on se mange le truc. Rusé les gars. Donc ce que je vous propose les amis, c'est qu'on s'arrête là, j'avais dit à 19h. Ouh j'ai eu peur. Ouh j'ai eu peur. Bon attendez, on le refait. On le refait. J'ai eu peur, j'ai cru que j'avais fait une bêtise. J'ai un peu de mal aujourd'hui avec la gestion des sauvegardes, hein, vous l'aurez remarqué. Donc... Quand il parle sur le toit, on est d'accord, c'est le toit du doc, des docks. Évidemment, là, je peux pas descendre. On va faire la cascade. Mais qu'est-ce qui m'empêche d'avancer, là? Bah. Voilà, donc, on en était là, sauvegarder. Sauvegarder la partie et on se retrouve la prochaine fois, certainement demain après-midi pour ceux qui suivent le live un peu plus tôt qu'aujourd'hui, j'espère. Et pour les autres, eh bien, je ne sais pas dans la suite des événements. Ciao!